Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième saison de PenseBête.tv. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois pour cette émission qui est vraiment destinée aux propriétaires et à leurs animaux de compagnie. Question de vous faciliter la vie, de vous donner des petits trucs, des petits conseils qui vont vous aider à vivre pleinement votre relation avec votre animal de compagnie. Vous remarquerez que pour cette deuxième saison de PenseBête.tv, on fait les choses un peu différemment. Mais n'en reste pas moins qu'on aura toujours la, la, la même information de qualité. Alors, vous verrez qu'on vous présentera un animal qui est disponible à l'adoption à chaque émission. Ce sera à la fin de chacune des émissions euh, que vous aurez la, la chance de rencontrer cet animal-là. Par contre, pour aujourd'hui, on se consacre entièrement à la présentation d'informations pertinentes, notamment sur l'activité physique. Vous ne voudrez pas manquer ça. Alors j'espère que vous avez passé euh, un bel été avec vos animaux de compagnie, que vous en avez profité pour aller à l'extérieur, faire de l'exercice. Euh, je vous dirais que moi, avec mon gros chien qui a maintenant 80 livres à huit mois, euh, j'ai pas eu le choix de le faire bouger. Et justement, je suis contente d'accueillir mon invité sur le plateau euh, ce soir. Aujourd'hui, en fait, Annick Côté, qui est intervenante en comportement canin. Alors, bonjour, Annick. Bonjour, Stéphanie. Et ça va être un plaisir de pouvoir parler ensemble, justement, euh, aujourd'hui, d'exercices et d'activités physiques à faire avec nos animaux de compagnie parce que toi, tu t'y connais. Tu connais en masse de trucs pour nous aider soit à démarrer cette relation qui est l'exercice physique à faire avec nos animaux de compagnie ou encore le poursuivre avec des activités qu'on n'aurait peut-être pas envisagées auparavant. Et je vois que tu as amené ton acolyte sur le plateau avec toi, Scott. Oui. J'aimerais que tu nous en parles un peu davantage de ce, ce beau chien qui semble avoir un peu là, de, de collé à l'intérieur de lui. Là. Effectivement. C'est un border collé qui a maintenant 11 ans. Euh, je l'ai eu il y avait 6 mois. Donc, j'appelle mon petit rescue parce qu'il faisait partie d'une famille où -ce que, euh, il était maltraité. Alors, euh, je l'ai accueilli chez moi euh, afin de, de lui offrir une meilleure vie. Alors, euh, j'ai appris beaucoup également aussi avec lui. Ça a été mon, euh, mon chien. Euh, D'apprentissage, si Est-ce que c'est -ce est lui qui a un peu éveillé l'envie le, chez toi de pouvoir justement en apprendre davantage sur les chiens euh, y aller dans le comportement ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà envisagé auparavant? Euh, en fait, ça a été vraiment lui l'instigateur de, de, de tout ça. T'es fin, ça n'a pas de bon sens. Ça a été l'instigateur? Oui, effectivement. Euh, avec lui, j'ai appris à comment il euh, rende la vie plus facile, plus joyeuse avec nous. Il y avait une crainte assez marquée envers les hommes. Alors, euh, on a travaillé beaucoup là-dessus. J'ai l'impression que les auditeurs vont entendre oui. les petits reniflements dans le micro, mais ce n'est pas grave parce qu'il est vraiment affectueux. Et on ne dirait pas, justement, lorsqu'on le voit être aussi affectueux, aussi chaleureux avec les gens, on ne dirait pas que c'est un chien qui est un grand rescapé, puis qui a eu la vie dure là, avant, avant de se retrouver avec toi? Effectivement, j'ai suivi euh, plusieurs séances de cours d'obéissance avec lui euh, durant son jeune âge pour ensuite moi-même euh, m'informer à ce sujet-là, puis voir euh, ce que je pouvais lui apporter de plus, suivre des séminaires sans lui. Euh, voir à combler tous ses besoins, parce qu'on sait que le border collé, c'est un chien euh, qui a besoin de se dépenser énormément, beaucoup, et pas juste physiquement. Non, et... mais c'est ça, parce que ce sont des chiens là, qui sont réputés pour avoir une intelligence assez phénoménale, euh, des chiens aussi reconnus comme étant des gardeurs de troupeaux. Effectivement, effectivement. Donc, lui, son, le pourquoi que la race a été créée, c'est vraiment de rassembler les troupeaux de moutons et euh, de faire en sorte d'aider le berger et tout ça, donc n'ayant pas de moutons à la maison. Il a fallu que je trouve euh, plein d'idées euh, pour l'occuper euh, mentalement et physiquement. Oui, j'aimerais ça qu'il vienne nous retrouver, là, le beau Scott, oui. euh, sur le plateau. Question qu'on puisse euh, parler justement. Ah, oh, ben oui, puis en plus, il répond très bien à son nom. Bonjour, Scott. Vraiment, puis euh, il a l'air très jeune de cœur. Tu disais 11 ans et 11 ans. il n'a pas l'air du tout d'un chien d'11 ans, vraiment vif et tout. Euh, moi, je, oui. je, je suis déjà bien conquise, bien séduite. Et euh, tu parlais tout à l'heure, oui, de faire de l'exercice physique, mais aussi de faire dépenser notre chien. Euh, sur le plan intellectuel, et ça, ça va être très important. D'ailleurs, on va y revenir un petit peu plus tard, là, en cours d'émission, de comment est-ce qu'on peut faire pour faire travailler l'esprit, le, la mémoire de notre chien. Euh, c'est possible et c'est assez simple à faire également. Mais pour ce qui est du plan physique, euh, on a eu l'occasion cet été de tourner une capsule avec. Euh, Anaïs, qui fait du canicross, j'ai eu l'occasion d'aller la rejoindre, elle et sa bande, question de pouvoir apprécier le sport qu'ils pratiquent avec leur animal de compagnie. Et vraiment, j'ai été séduite, ça m'a donné envie d'ailleurs de commencer avec mon chien. Je dois attendre qu'il ait un an et question de, de ménager ses petites articulations, mais n'en reste pas moins que ça fait partie de mes plans. J'aimerais qu'on se laisse sur cette capsule-là, puis on se revient après, là. On revient après pour parler justement d'exercice physique avec les animaux de compagnie. Alors on rejoint Anaïs parce qu'Anaïs, on t'a rencontré, toi et ta belle gang, l'hiver dernier pour parler de trottinette des neiges. Et voilà qu'on se retrouve cette saison pour un tout autre sport avec un tout autre équipement, soit le canicross. Parle-nous-en davantage. Alors, le canicross est un sport athlé canin. ça fait partie de ce regroupement-là. Euh, on court en équipe avec notre chien, euh, comme si on était attelé à notre chien, en fait. Lui a son harnais sur le dos. Nous, on a notre ceinture de canicross, puis il y a une ligne bungee. Euh, qui nous relie entre les deux, donc euh, c'est une belle, euh, un beau sport à, à pratiquer avec son chien. Et là, parle-moi un peu justement de la relation qu'on a avec le chien lorsqu'on pratique ce sport. Est-ce que c'est le chien qui nous tire Il fait simplement nous accompagner Est-ce qu'on sent la tension euh, lorsqu'on va de l'avant Ben c'est sûr que ça dépend du moment. Euh... De notre parcours sur le, sur le terrain. Euh, au début, généralement, le chien tire, oui. Euh, après ça, ça va dépendre euh, de son tempérament puis de son activité physique. Euh, on, a, on ne pousse pas notre chien à nous tirer. S'il se met à côté de nous, c'est correct, euh, on court à côté de lui. Puis euh, quand il nous tire, on a encore plus de fun. Et, et justement, c'est le but, dans le fond, d'en venir à ce que le chien ait envie de nous tirer ou nous aider dans le mouvement. Oui, tout à fait. Et là, euh, d'où est-ce que c'est parti ici à Rimouski, euh, le, le canicross? Parce que vous, vous êtes quand même quelques-uns à pratiquer le sport? Bien, en fait, moi, j'en avais entendu parler d'une de mes amies qui venait de Drummondville. Puis, euh, à force de voir des vidéos, j'ai voulu m'y mettre. Puis après ça, j'en ai parlé à d'autres amis. Puis on a, montré, on a monté tout un groupe à Rimouski. Et là, est-ce que c'est venu avant ou après la pratique de la trottinette des neiges, le canicross? C'est venu après. Est-ce que notre chien doit avoir un entraînement particulier? Parce que là, on comprend qu'on se fait tirer par notre animal de compagnie. Il faut quand même, on ne peut pas y aller là, à l'aveuglette. Il faut quand même avoir un, un petit entraînement de base pour que notre chien euh, réponde aux, aux principaux commandements. Oui, bien, c'est les directions. Puis sinon, euh, c'est sûr qu'il faut connaître le, comment notre chien, euh, bien, je veux dire, l'activité physique de notre chien. Donc, euh, est-ce qu'il est actif? Est-ce qu'il est, euh, est qu a de la. Est-ce qu'il a pas beaucoup euh, d'activité? Mais euh, c'est c'est vraiment connaître son chien puis euh, à ce moment là on va euh, avec son niveau euh, physique est-ce qu'il peut y avoir des, des dangers physiques et pour le chien et pour pour la personne qui pratique le canicross, parce qu'à un certain moment donné, euh, lorsque la fatigue embarque, est-ce qu'il est qu peut y avoir des risques? Ben, c'est plus à haut niveau de, de canicross, là, parce que généralement, nous, on fait deux sorties par semaine. Donc, euh, on y va vraiment au rythme des chiens. On peut faire 3 km à 5 km l'été, puis l'hiver, l'automne, on, on peut monter jusqu'à 10 km. Mais euh, c'est rare qu'il y ait des courses de canicross, en tout cas, qui euh, soit à plus de 5 km. Maintenant, euh, parlons des, des, des chiens. Justement, on les voit, ils sont très énergiques. Visiblement, il y en, il y en a qui ont hâte de reprendre euh, l'activité. Est-ce euh, que tout chien peut faire du canicross ou ça prend certaines races? Tout à fait, tous les chiens peuvent le faire. C'est vraiment euh, du plus petit chien au plus gros, euh, tous les chiens sont les bienvenus pour en faire. Parce que contrairement à la trottinette des neiges, ils n'ont pas nécessairement le, le besoin de, de tirer leur maître. Alors si on y va avec un, un bichon maltais, euh, c'est simplement pour le plaisir de courir avec son chien. Exactement, oui, oui parce qu'on court derrière lui, donc euh, il n'a pas notre poids à supporter. Et comment est-ce qu'on fait pour déterminer les premières distances qu'on va parcourir avec, avec notre animal? Parce qu'il euh, faut probablement l'entraîner euh, graduellement. Oui, ben au début on peut commencer par un ou deux kilomètres, puis après ça, c'est de voir aussi si notre chien nous suit, puis si on arrive à le suivre, nous autres aussi. Est-ce qu'il euh, y a un âge minimal pour le chien? Est-ce que tout chien peut débuter le canicross ou on conseille qu'il ait atteint un, un certain âge? Euh, on conseille qu'il ait atteint sa pleine croissance, donc généralement euh, les un an. Mais euh, avant ça, on peut déjà commencer à, à lui indiquer les directions, à lui apprendre les directions, puis euh, à faire des petites distances ou même juste marcher en canirando avec eux autres. Et justement, là, je vois là, que vous êtes un, un beau groupe. Est-ce que vous pratiquez ça ensemble à chaque semaine? Combien de fois par semaine est-ce que, est que vous prenez euh, le chemin des sentiers? Euh, on fait deux sorties par semaine généralement, le jeudi soir, puis soit le samedi matin ou le dimanche matin. Puis, euh, ça dépend des jours, là, on peut être plus ou moins nombreux euh, à chaque sortie. Et justement, votre groupe, là, a combien de, de membres? Combien de personnes y participent? Euh, on est environ une dizaine à venir courir ensemble. Et, et comment vous faites pour gérer, justement, parce que là, on le voit, là, les chiens sont curieux l'un de l'autre. Lorsque vous êtes en, en train de faire l'activité, comment faites-vous pour, pour gérer cette affection entre, entre animaux? Bien, on fait confiance à chaque maître. Donc, chaque maître gère son chien à, à sa manière. Puis, euh, on n'a jamais eu de problème à date. Alors, euh, c'est un rendez-vous. Et les gens là, qui seraient intéressés à pouvoir joindre votre groupe, à pouvoir essayer le Canicross, où est-ce qu'on peut aller prendre des informations supplémentaires? Alors, on fait pas, on est sur Facebook, Canicross Rimouski. Euh, et on va bientôt se transformer en Caniriki, notre nouveau euh, nom de groupe. Et c'est à cet endroit-là -là, qu'on va être en mesure de, de trouver toutes les informations. Mais écoutez, merci beaucoup. Puis euh, on vous laisse prendre le chemin des sentiers. On va observer euh, vos, vos chiens et vous-même en action. Quelle belle activité que celle du Canicross. Et euh, vraiment, on a été choyés parce que lors du tournage de cette capsule-là, Faisait un soleil radieux sur les Alors une belle activité à laquelle on peut s'adonner avec notre animal de compagnie, euh, s'il en a la capacité bien entendu. Mais comme vous le voyez dans le vidéo, ça ne prend pas nécessairement un gros chien. Ça prend simplement un chien qui a de l'énergie et qui aime courir. Alors euh, on s'en parlait tout à l'heure qu'on allait parler de, de faire dépenser notre animal de compagnie Annick, mais pas seulement euh, de manière physique, mais aussi sur le plan intellectuel. Mais si on débutait avec la portion plus physique, parce qu'il faut se le dire, lorsqu'on décide d'acheter un chien. D'adopter un animal de compagnie. C'est rare qu'on se dise, moi, je vais rester écrasé sur mon divan, je ne vais rien faire et je ne le promènerai pas jamais. C'est <laughs> très rare qu'on ne ça en tête euh, quand vient le temps d'adopter un animal. Souvent, on va se dire. Euh on va vouloir mettre en place plusieurs choses dont euh, faire des promenades matin et soir avec le chien, s'inscrire à des cours d'obéissance et tout et tout. C'est dire qu'on va se lever plus tôt, qu'on va mettre notre réveil matin plus tôt pour pouvoir aller promener notre animal de compagnie ou même acheter un animal pour se remettre en forme en se disant que l'animal allait devenir source de motivation, ça peut devenir un piège. Effectivement, un piège que Certaines personnes vont, euh, avec leur bon vouloir, vouloir adopter un animal de compagnie pour effectivement se remettre en forme. Et malheureusement, on se rend compte que c'est pas vraiment ça qui se passe. On manque de temps, euh, ce qu'on avait planifié, ça, ça rentre plus dans le cadre pour certaines raisons. Puis euh, la seule option qu'on envisage, alors, c'est de s'en départir de l'animal. Et c'est là que, que ça devient un peu euh, risqué parce qu'à à un certain niveau. Lorsque notre animal de compagnie a besoin de bouger, a besoin de se dépenser et que ce besoin-là n'est pas comblé chez lui, c'est là que peuvent entre, euh, arriver là, les troubles de comportement, euh, les, les comportements un petit peu plus indésirables. Et avant de se, se départir de notre chien, de se dire que la relation ne peut plus continuer, il y a des gens qu'on peut aller consulter, dont euh, les spécialistes ou encore intervenants en comportement canin. Et toi, tu en es une intervenante. Alors, euh, tu as quand même des trucs, des petits conseils que tu peux nous donner là, avant euh, euh, d'envisager, par exemple, de, de se départir de notre chien. Notre animal de compagnie parce que la relation ne cadre plus. Effectivement. Parce que, en fait, euh, souvent, on est comme un petit peu dépassé par les émotions. On, on vient peu à bout de, de voir comment s'en sortir. Donc, l'idéal, c'est vraiment de faire appel à un intervenant en comportement canin pour nous aider à régler tout ça. Souvent, ça va se faire euh, lors d'une seule consultation où -ce on peut euh, envisager les, les, les problèmes les plus fréquents qui, qui sont présents, omniprésents, puis qui nous causent vraiment. Euh, plusieurs inquiétudes, donc on va regarder ensemble ce qu'on peut faire, euh, puis quoi mettre en place comme activité pour réussir à combler tout ça. D'ailleurs, euh, il y a un site web du regroupement des intervenants en comportement canin du Québec qui existe. Alors, pour les gens qui voudraient avoir des références dans leur milieu, qui voudraient avoir des références dans leur ville, eh bien, c'est possible de se rendre sur ce site-là. Eh, question d'avoir une foule d'informations justement sur euh, les spécialistes qui peuvent nous aider. Et là, j'aimerais aujourd'hui justement que tu fasses une petite tournée euh, des, des choses de base qu'on peut pratiquer avec notre animal de compagnie. Eh, question de l'aider à se dépenser et d'améliorer la relation qu'on qu peut avoir avec lui. Oui. Certainement, en fait, il y a plusieurs besoins qu'il faut combler chez le chien euh, pour euh, anéantir, si on veut, un petit peu les comportements indésirables. Donc, on parle d'activités locomotrices, comme on a vu dans la vidéo euh, sur le canicross. Donc, euh, il peut avoir la marche, le jogging, le canicross, le vélo-cross, l'agilité, le flyball. Ensuite, il y a vraiment les activités euh, masticatoire, Donc, le chien a besoin de marcher pour manger sa nourriture, euh, de gruger un cogne, gruger un os également. Ensuite, euh, il y a les activités vocales les jappements, gémissements, hurlements chez certaines races de chiens. Et euh, les activités intellectuelles. Donc, tout ce qui vient toucher l'obéissance, qui est euh, en fait assis, couche, reste, donne la patte, euh, la recherche d'objets, recherche de nourriture. Donc, si on revenait euh, du côté là, de l'activité physique à proprement dit, tu en as nommé plusieurs tout à l'heure, et il faut prendre en compte qu'il y a plusieurs avantages à faire bouger notre animal de compagnie, et pour notre animal, et pour nous. Oui, effectivement, parce que ça vient euh, combler, en fait, ça vient créer une complicité avec le chien, euh, ça vient créer euh, une facilité également au niveau de l'apprentissage de... De, de, certains, euh, de cert certains trucs. Parce qu'à un moment donné, le, le trop-plein, il faut l'évacuer. C'est comme pour nous, lorsqu'on a un trop-plein d'énergie, c'est difficile de se coucher le soir. Ça doit être un peu le même principe là, chez le chien. Même chose. Puis également, euh, ça peut aider à maintenir euh, un poids santé et pour le propriétaire et pour le chien. Alors, c'est un deux pour un dans ce cas -là. Effectivement. <rire> <rire> Puis, euh, en fait, aussi, euh, ce que ça va venir faire, c'est, euh, nous, chez l'humain, ça nous crée de l'endorphine. Donc, après une bonne journée de travail, il faut se motiver, il faut se dire, OK, il fait beau, il ne fait pas beau, je m'arrange en conséquence, j'arrange mon chien en conséquence, puis on sort, puis on fait de l'exercice. Exactement. Et là, je vois que le Wayscott oui. s'est fait aller sur l'activité <laughs> masticatoire, c'est euh, agréable. Peut-être qu'on pourrait passer à ce volet-là puisqu'il semble disposé effectivement en fait euh, ici on a des petits cônes euh, qu'on peut servir euh, qu'on peut acheter chez Dollarama ou peu importe n'importe où euh, qui peut servir pour cacher la nourriture donc ça vient euh, travailler un petit peu l'instinct de recherche donc on cache une petite gâterie en dessous et le chien euh, doit pousser le cône et tout pour réussir à chercher sa petite gâterie visiblement nous avons trop gâté le beau scott parce que là il a plus faim non effectivement je pense que son oh, besoin il en reste peut-être encore un petit peu <laughs> oui, il l'a déjà mangé, peut-être. Effectivement, ah, il l'a déjà mangé. Un, un petit peu trop rapide pour oui. nous, visiblement. Oui, et on a la balle euh, Snoop. Donc, cette balle-là également est molle. Donc, ça vient également combler un besoin masticatoire. Donc, on cache un petit peu de gâterie ou sa nourriture et on lui laisse la petite boule. Et voilà. Donc, ça, ça peut faire partie euh, des activités euh, masticatoires à combler. Moi, j'ai euh, un couple d'amis à moi qui avaient l'habitude avec leurs chiens de, de cacher des croquettes un peu partout dans la maison. Alors, ce qu'on faisait, on enfermait les chiens dans une pièce. Et là, on allait chercher des petites croquettes et on les cachait derrière les rideaux, derrière les meubles, sur, euh, j'allais dire, sur les comptoirs. Peut-être pas, là, mais euh, <laughs> du moins, on les cachait un peu partout. Et euh, lorsqu'on faisait sortir les chiens, hey, là, le jeu, c'était de trouver où est-ce qu'on avait caché les croquettes. Euh, ça doit être euh, une stimulation intellectuelle assez intéressante. Intéressante aussi? Effectivement, euh, on compare environ 15 minutes d'exercice mental qui équivaut à environ une heure d'exercice physique chez le chien. Donc euh, là, on sait que l'hiver approche, euh, que ça va devenir un petit peu plus compliqué, les temps froids, les tempêtes, ça nous tente moins. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que si on comble par une activité intellectuelle qui stimule vraiment euh, la recherche chez le chien, peut venir équivaloir à une heure. Donc, plutôt, par exemple, que de se dire, on va marcher matin et soir, on pourrait se dire, on va aller prendre une marche le matin et le soir, faire un 15-20 minutes d'activité qui stimule plus l'intellectuel du chien, puis ça va pouvoir venir compenser et un peu équilibrer là, les, les, les deux sphères de, de, du chien. Tout à fait, tout à fait. Parce que normalement, en temps général, on recommande de deux à 4 heures d'activité physique chez le chien activité en général chez le chien. Donc, c'est important de compenser. Autant physique que euh, les autres activités que j'ai nommées. Euh, ça évite également aux chiens d'avoir de, des comportements indésirables. Donc, euh, ils vont être moins portés à japper après la visite, à manger nos souliers. Donc, Exactement. Et là, f... comme tu nous le présentais tout à l'heure, avec une petite balle comme, comme celle-ci, euh, le fait de mettre quelques croquettes à l'intérieur, de laisser ça au chien, c'est des minutes qui passent où le chien fait une activité, mais qu'on n'est pas nécessairement sollicité. Rien ne nous empêche d'aller faire notre vaisselle pendant que le chien essaie de sortir ses croquettes. Oui. Voilà. De, de, de cette chose qui est particulièrement gluante. Très bon oui, temps, mais je vais, effectivement. Je vais la laisser de côté. Alors, j'aimerais qu'on poursuive maintenant avec les fameux assis, couchés, reste. Euh, C'est des commandements de base. On n'a pas l'impression qu'on fait travailler notre chien, mais ils ont leur place. Et si on les apprend d'un plus jeune âge, j'ai l'impression que ça, ça va être payant là, pour la suite. Oui, effectivement, on peut commencer par des simples petits commandements de base, dont assis, coucher, euh, d'ordre général, qu'on veut apprendre à notre chien. Puis petit à petit, euh, on ajoute toujours un petit peu, un petit commandement de plus. Puis qui sait, peut-être que notre chien va devenir le meilleur euh, chien au niveau des, des commandements. Et, euh, Exactement. Puis euh, aussi, il faut faire attention, par exemple, parce que là, on parle depuis tout à l'heure de pouvoir commencer, justement, euh, que ce soit les activités intellectuelles, mais surtout euh, au niveau des activités physiques, faut tenir en compte le tempérament aussi de notre animal de compagnie, je suppose, parce qu'un chien qui a l'habitude de, de faire euh, le, le gros pacha là, sur le tapis du salon, de, de commencer à vouloir courir des une heure, des cinq kilomètres avec lui du jour au lendemain, j'ai l'impression que c'est peut-être pas la meilleure solution. Faut y aller graduellement. C'est un peu comme avec les humains. Effectivement, la même chose. On observe notre chien, comment ça se déroule lors de l'activité physique. Donc, euh, si on voit que notre chien traîne un petit peu de la pâte, on y va un petit peu plus mollo, on se met à marcher plus longtemps, on y offre des petites quantités d'eau également à boire. Il euh, faut aussi faire attention à la prise de nourriture des repas. On recommande normalement d'attendre deux heures avant et après la prise de repas pour éviter euh, chez les grandes races des torsions euh, d'estomac qui sont la plupart du temps fatales, malheureusement. Donc, euh, c'est important de respecter euh, ce délai-là avant l'activité. Et là, pour les propriétaires qui, qui ont un animal de compagnie, qui se disent, bon, c'est bien beau la stimulation intellectuelle, mais par où est-ce qu'on commence Alors, pour montrer un truc, est-ce que tu peux nous donner un peu la, la base de comment est-ce qu'on apprend un tour à notre chien Parce que je suppose que ça prend un, un, un élément là, intéressant, une croquette, une gâterie spéciale pour que le chien veuille répéter le comportement et que, que ça devienne finalement ancré. Oui, effectivement. Donc, c'est sûr qu'à la maison, euh, le fait, si votre chien est gourmand, le fait d'utiliser ses propres croquettes, ça peut être gagnant, vraiment. Mais il y a des chiens que euh, leur croquette de nourriture comme repas, c'est un petit peu moins alléchant, donc on peut aller plus vers autre chose comme du foie séché qui va être vraiment, vraiment attrayant. Donc, ça va aider le chien à apprendre beaucoup plus vite. C'est important de respecter son, son, son rythme également. Euh, moi, ce que je suggère le plus souvent au monde, c'est de ne pas euh, obliger le chien à s'asseoir, de mettre la main sur les fesses. Demandez-lui, faites-lui euh, un petit geste pour qu'il apprenne de lui-même comment le faire sans y exiger. Donc, le but, c'est de... Pas forcer l'animal, mais simplement que l'animal y est parce que c'est sa volonté et que l'appât du gain soit suffisamment intéressant pour qu'il ait envie de le refaire par la suite. Effectivement, on va okay. créer un lien de confiance très fort avec l'animal à ce niveau-là, à ce moment-là également. Et je vois que le lien de confiance a l'air particulièrement bien construit entre Scott et toi. Euh, J'aimerais peut-être que tu nous fasses une petite démonstration de, de ce que tu as pu apprendre au beau Scott. Et il semble particulièrement après. Oui, effectivement, on va, euh, on va montrer ça. En fait, euh, ce qui m'a inspiré à l'époque, c'était un cours de freestyle qu'on appelle. Donc, si les gens veulent regarder là, sur YouTube, un peu, ça ressemble à quoi du freestyle, euh, ça peut aider à... Il apprend plein de trucs facilement. Donc, ce que je vais faire comme petite démonstration, c'est je vais montrer à Scott. Ben, en fait, il le sait déjà, mais je vais lui demander de tourner sur lui-même. Tourne. Yes. Ensuite, je vais lui montrer à rouler. Roule, 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 Scott, roule, roule, roule. roule. Yes! C'est pas chiant! C'est bon. Oh. Donc, c'est tous des petits trucs que j'ai appris à force de leurrer un petit peu, faire des gestes. Pour lui montrer comment effectuer. Exactement. Le... Puis je suppose qu'il y a le fameux donne la patte, assis, couche, reste, oui. va dans ton panier, dans ta oui. maison. <laughs> Et exactement, <Effectivement>. qui <laughs> se sont ajoutés à tout ça. Et combien de temps est-ce que ça peut prendre euh, à, à, à un propriétaire à, à lui apprendre des trucs à, à son chien? Parce qu'il y en a qui sont peut-être des fois un petit peu pressés, 10 disent Ah, oh, coudons, mais semble que j'y mets des efforts, puis ça ne paye pas suffisamment rapidement. Est-ce que c'est long avant qu'un comportement ou une commande devienne ancrée chez le chien? C'est dur à dire, parce que un peu comme chez l'humain, on apprend tous à notre rythme, on a toutes nos méthodes où ce que ça devient plus facile ou moins facile. Donc, euh, il s'agit d'utiliser les bons outils, donc les gâteries, le foie séché, d'être patient surtout, de ne pas trop en demander. Quand on voit que le chien, euh, on lui apprend certaines choses, puis qu'il décide que c'est terminé, il quitte la, la, la pièce, on attend. On attend, on attend son rythme. donc… On ne peut pas vraiment dire qu'en cinq minutes, il va apprendre un truc. Ou, euh, donc, il faut s'adapter à notre chien. Et à ceux qui diraient... Euh... Je pense qu'il est trop tard. Mon chien est rendu à 5, 6, 7, 8 ans. J'aurais dû lui apprendre ce truc-là lorsqu'il était chiot. Euh, il est trop tard pour lui montrer quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il est trop tard pour qu'un chien puisse apprendre quelque chose de nouveau? Jamais trop tard. <laughs> il est jamais ça, trop est tard. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, c'est ça. En fait, Scott a 11 ans et dernièrement, je lui ai appris un truc de, re de reculer, en fait, en disant le mot « away ». Donc, vous voyez, même à 11 ans, il y a toujours la possibilité d'apprendre et de continuer à leur rythme à eux. Alors, tout n'est pas perdu. J'ai espoir que j'arriverai à faire quelque chose avec mon chien à la maison. Je pars avec euh, tous tes trucs dans ma poche arrière, puis je vais aller faire des petites pratiques. Je pense que je, je, je vais... ça va nécessiter des croquettes de... avec un meilleur goût, mais bon, oui. on, on va finir par y arriver. Euh, Annick, ça a été un plaisir de te recevoir sur le plateau aujourd'hui. Et on te retrouve euh, la semaine prochaine également parce que tu vas venir nous parler de pitbull et de morsures oui. chez les chiens, parce qu'on le sait, ça a été... Euh, la grande vedette en quelque sorte médiatique cet été, le fameux chien pitbull. Est-ce qu'on l'aime, est-ce qu'on ne l'aime pas, est-ce qu'on doit le détester Qu'est-ce qui en est Est-ce que c'est la faute du propriétaire Est-ce que c'est la faute du chien Il y a plusieurs questions qui demeurent sans réponse, plusieurs qui ont pris position sur la place publique également et tu vas nous aider à démystifier un peu le tout la semaine prochaine. Oui, effectivement, c'est un sujet assez chaud présentement. Donc on va discuter là pour faire en sorte de d'essayer de voir qu'il n'y a pas seulement une race qui est, qui est ciblée dans tout ça. Absolument. Et euh, on aura l'occasion également de revenir sur le défi euh, canin du littoral. C'est un défi qui a lieu le 17 septembre prochain. Euh, c'est organisé euh, par la clinique vétérinaire du littoral. Notre chère Nancy, euh, notre collègue vétérinaire ici à l'émission PenseBête.tv qui organise ça avec sa clinique. En fait, c'est une marche qui consiste à amasser des dons euh, pour la fondation du centre hospitalier régional de Rimouski. Euh, les sous amassés qui vont servir cette année à acheter, là, je vais regarder parce que je ne veux pas me tromper dans le, le terme médical, une sonde échographique cardiaque, c'est pour le département d'obstétrique. Alors, euh, ce sera un rendez-vous absolument à ne pas manquer. Et sur ce, on se laisse sur des images qui nous font toujours chaud au cœur. C'est la raison pour laquelle on aime tant les animaux de compagnie. Voici une vidéo. Merci d'avoir été avec nous cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.